Aujourd'hui, au congrès de l'ADF, se déroulait la première séance de démonstration en direct sur patients. L'occasion pour nous de faire le point sur cette pratique qui ravit à chaque fois conférenciers comme congressistes. C'était un vrai challenge parce qu'on avait un temps imparti qui était relativement court. On avait juste 2 heures et demie pour faire l'ensemble des étapes. Et on sait très bien que quand on fait une démonstration, on prend beaucoup plus de temps que dans la réalité. Ça nous a obligés de choisir des matériaux, choisir des techniques. Mais bon, je crois qu'on y est arrivé. C'était vraiment agréable de préparer ça en tout cas. Au départ, il y a beaucoup d'agitation puisqu'il faut tout organiser. Il y a tout un plateau technique puisqu'il faut transformer une salle anodine en cabinet dentaire et en studio, donc il y a beaucoup d'agitation au départ. Après, c'est un travail d'équipe, il y a mon assistante, il y a mon collègue qui vient m'aider derrière, et à vrai dire, moi en tant qu'opérateur, je me suis focalisé sur la patiente pour prendre soin d'elle. Et puis, argumenté par Christian Moussali en salle, on a détaillé un certain nombre d'étapes. L'ère du numérique, on y est rentré il y a 25 ans. On y est rentré vers 25 ans. Maintenant, on commence vraiment à la démocratisation de l'ère du numérique, en particulier avec l'empreinte optique qui, à mon avis, va vraiment remplacer l'empreinte conventionnelle. Et on va dire d'ici 5 à 10 ans, je pense qu'on aura vraiment l'empreinte optique qui représentera 70% des empreintes faites dans un cabinet dentaire. Aujourd'hui et demain, on enverra nos empreintes optiques par mail avec le prothésiste. On enverra l'empreinte optique numérique, on enverra la photo du patient et il y aura une réelle transfert de données sécurisées, sans perte, sans usure, sans rien. Donc ça permet d'éviter d'utiliser trop de matériaux, donc c'est écologique et c'est rapide, donc efficace pour nos patients. Impressionné par ces nouvelles techniques, par ces nouvelles procédures. Parce qu'il faut dire qu'on n'est pas trop habitué à ce genre de technique assistée par ordinateur, donc impressionné, voilà. On aime bien voir des cas concrets en bouche et c'est plus parlant qu'un simple exposé magistral. À partir du moment où c'est en direct, je trouve que c'est... On se rend mieux compte du temps passé véritablement. Oui, ça permet de voir en direct des techniques qui sont applicables au cabinet directement par la suite. Ça me donne envie de mettre certains concepts en place dans mon cabinet dentaire et j'espère pouvoir le concrétiser prochainement.